Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu sur PlayStation 4 Resident Evil 7 et donc je vais continuer mon aventure dans ce jeu. Alors si vous m'avez suivi, je suis donc dans une maison qui a été abandonnée, j'étais à la recherche, je joue le rôle d'un personnage qui recherche sa femme qui a disparu depuis 3 ans, je l'ai retrouvé dans le premier épisode de mes vidéos et puis derrière les amis alors on va essayer d'avancer dans le jeu. Derrière, j'ai donc découvert cette maison, j'ai retrouvé ma femme qui avait disparu, et en même temps elle avait un peu changé, elle était un peu métamorphosée, j'ai dû m'en débarrasser malheureusement et me battre contre elle. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille qui vit dans cette maison. Voilà, je récupère un crochet que je n'avais pas vu dans cette boîte avant, vous voyez, il faut vraiment les objets les faire tourner. Alors un crochet, on va aller directement... crocheté, il me semble que là c'était à crocheter. Ouais, super. Hop. Et donc, dans la dernière vidéo, j'ai affronté le père de la famille et que j'ai pu battre dans le garage, tout simplement. Donc là, on va continuer l'aventure. Ok. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire un truc, les amis, c'était objet, combinaison. Ouais, ok. Et je peux... voilà. Ce que je veux, c'est combiner ça. C'est quoi ça? Examiner. Ok. Et comment je fais pour les combiner? Moi, ce que je voudrais, c'est ça. Voilà, je vais combiner les ça. Voilà, et comme ça, je me crée des emplacements. Ah, c'est bizarre parce que... là, j'ai une fiole. Ouais, bon, bah, on va laisser comme ça. Allez, on va aller, les amis, poursuivre l'aventure et ouvrir la fameuse porte qui est un peu plus loin. Et si je buvais cette boisson. Voilà, il me semblait que j'étais un peu... allez, c'est parti. Donc la relique que j'ai pu trouver au-dessus du garage m'a permis d'ouvrir cette porte. Et donc on arrive dans une pièce qui paraît plutôt assez grande. La maison, en fait, elle est immense, la maison. Hein. Alors, on a une note. Tire-moi dessus. Ok. Sur qui faut tirer, je sais pas. Bon, allez, tiens, hop. On va prendre ça, de l'herbe. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Poudre à canon. Ok. Un de plus. Pièce antique, ok. Une pièce, hein. Ouf. On va décrocher le téléphone. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ah bah, ça explique plus de choses. En fait, la personne qui m'appelle, c'est la fille de la fameuse famille un peu tordue. Et là, sélectionner un objet à utiliser. Qu'est-ce que je peux utiliser là-dedans? Non. Cavité pour la tête. Ah, est-ce que je peux mettre une pièce? Non. Bon, on va farfouiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a une porte. À mon avis, il faut un objet ou une clé. Et sur la carte, c'est vrai que je regarde jamais. Il faut une sorte de scorpion. En haut, il faut une clé. À mon avis, c'est plus quelque chose qui... ah, il y a quelque chose là. Ah, pendule. Et là. Plus de 20 disparus en 2 ans.
capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène McKeith, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. On compte plus de 20, au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La personne qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents compte intensifier les recherches de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. Waouh. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce, on a... C'est de... est-ce qu'il y a quelque chose sur cette table à récupérer? Non. Là, ah, c'est quoi ça? Un fût chimique. Ah, bah voilà. Je vais pouvoir le composer, le fût chimique. On va aller faire ça. Hop, avec la plante. Voilà. Ah, mais ça me donne une fiole à part. Moi, j'aurais aimé gagner un emplacement, mais c'est pas grave. On va aller voir si je peux utiliser sur la porte l'objet que je viens de trouver. Qui est... Zut. L'horloge. Enfin, le pendule. Non, on peut pas l'utiliser. Autant pour moi. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que c'est que ça, cette pièce? Un projecteur. C'est quoi ça? Ok. Ah, bah ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Living room. Et quoi, living room? Un tableau intitulé Le chasseur des cieux qui regarde en l'air et aboie. Ok. Et c'est quoi living room? Bon, est-ce que c'est cette pièce? Ah, le fusil. Allez, on va prendre le fusil. Ah, oula, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, je comprends. En prenant le fusil, il faudrait que je mette un autre objet à la place. Et si je mets le pistolet? Non, ça tient pas. Pendule non plus. Ah, ok. On va remettre le fusil. Faut que je cherche quoi mettre à la place. Peut-être monter à l'étage, hein. Je vais reprendre le couteau avec moi parce que j'ai pas confiance du tout. Ah. C'était pas la personne qui était à la table? La grand-mère? Ah, mais elle est vivante. Oh là là. Je fais un peu un tour d'horizon là pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a là? Evelyn, mai 2014. Demain. Ah, mais c'est peut-être la fille qui me parle au téléphone. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est quoi? Un serpent? Ok, et là j'ai quoi là? Y a rien là-dedans. Bon. Ouais. Il ne reste plus que la pièce là-bas, mais... Ah, mais c'est pas qu'une pièce, il y a un couloir. Pouah. Oh, mais c'est immense! Oh, c'est un truc de fou! Oh là 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 là!
Ouais, c'est quoi ce bruit? Il faut quoi, une clé? Non, c'est pas. En fait, c'est incroyable. Oula, il y a une pièce que je peux rentrer. Ah! Il y a plein d'objets. C'est un truc à... Est-ce que je peux pas prendre la canne de billard pour pouvoir l'échanger contre... Bon, ça c'est l'autre porte qui est fermée à clé, mais je vois pas l'intérêt parce que je suis passé par là. Encore une pièce. Virer du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et fouleux dans la zone de traitement. Ouais, ok. Puis dans le téléphone, elle me disait de. Ah, mais il y a la porte là. On peut passer par là aussi. Wow. Bon, on va finir de visiter la pièce. Il y a quoi là-dedans? Quelle est cette vidéo? Faut que j'aille voir dans le salon, je crois que c'est là-bas qu'il y avait une télé. Ah bah là, non, je peux la mettre là. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà! Nous étions très inquiets, jeune fille. Qu'est-ce que c'est que ce sous-sol? Tu vas la laisser m'attraper à nouveau. Mais c'est où ça? Ah mais je joue avec le personnage, waouh. On va s'enfuir là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Par ici, maman. Fait flipper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit manège, jeune fille. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que je suis subie comme ça? Je te tiens! Eh ben, ça fait flipper, hein? Ouh! Ah, you failed! Ok. Ah bah zut, je m'attendais pas à ça. Je savais pas que je pouvais mourir juste comme ça, moi.
Mais je sais même pas où il faut que j'aille en plus. Ah bah, je suis coincé. Cacher. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Hein? C'est flippé, hein? Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette maison a de plus que tu ne peux imaginer. Et ici, tu ne comprends pas. Simplement que tu t'en fiches. Et je vais où là? Ah, et ça, je peux le prendre, ça. C'est peut-être cet objet qui pourrait remplacer le fusil. Où aller? Je sais pas quoi faire. Oh, je m'en vais vite, vite, vite. Il faut que j'aille où là? Là-bas? Peut-être. Allez, je peux pas y aller, zut. Je peux pas aller là. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Nous t'ouvrons notre maison. Mais je sais pas où aller en fait. Et toi, que fais-tu? Mais c'est un truc de fou, je sais pas où aller. Elle est là. Ah bah si, ce coup-ci j'ai pu appuyer. Je sais pas, je fais quoi avec ça?
forcément quelque chose au travers de ça, non? Ah, je vais l'inverser. Ah, j'avais un truc bizarre, voilà. Voilà. Oula! On dirait que le... Non, presque. Non, c'est pas ça. Je suis presque, on dirait, dans le même synchronisme que... Non, c'est pas ça. Pas du tout. Ouais, je sais pas. Bon. Non. Ah, zut. C'est pas facile du tout, hein, franchement. Ouais, c'est pas facile du tout. Ah. Voilà, et si je fais comme ça? Non, c'est pas là. C'est super balèze, j'avais trouvé un sens et puis là j'ai du mal à trouver le sens. C'est très très difficile à trouver quelque chose, hein. Ah, c'est un truc de fou. Bon, je vais recommencer, je vais ressortir et revenir. S'il n'y a pas un truc qui joue là-dedans. Voilà. Voilà. C'est pas mal ça. Est-ce que je mets là, là? Je sais pas si j'ose... Non. Là, je recouvre, hein. J'essaie de recouvrir au mieux, mais je recouvre moins, mais je sais même pas si c'est ça la solution. Ouh, ça a l'air d'être ça. C'était compliqué là, les amis, franchement. Ok, je fais quoi là? Ah ouais. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis de l'autre côté, là où il y avait la petite fille. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Toi! Toi! Ah bah zut! Ah bah elle est là. Ah bah zut!
retourne dans ta chambre immédiatement. Bon bah dommage hein. C'est quand même difficile de pas savoir où il faut aller comme ça. Ah, on peut faire un demi-tour rapide, ok. Alors. Elle t'aime. Oh purée. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Ouais, on va se barrer là. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Je sais pas où elle est. Je sais pas si elle me suit ou pas. Nous t'aimons. Ouvre les yeux. Faut que j'aille où sens. Je peux pas aller là, toujours pas. Toujours pas là non plus. C'est un truc de fou, hein. Peut-être qu'il faut que j'aille. J'ai raté ce petit jeu avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends? En fait, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, hein. Voilà. Je suis un peu coincé, je sais pas comment. On peut pas se retourner en fait. Ah, c'est... Elle fait le tour, alors faut que je la suive et que je passe dans son dos en fait. Je la vois ici. Allez, on va essayer de... Je vais essayer de la suivre et de passer dans son dos et puis de passer sur le côté, on va voir. Si je peux. De mécanisme, on va ok. Une pièce de mécanisme et ah, bravo. Ah bah bravo, voilà. Où crois-tu aller comme ça? Elle est immense la maison. Eh ben, c'était pas de tout repos cette partie, les amis.
C'était plutôt stressant même. Voilà, il est en train de chercher, hein. C'est long, hein, la mise, la recherche. On voit le petit trait blanc là qui arrive vers le dernier chiffre. Tout cas, c'est impressionnant. Alors, franchement, les amis, si vous jouez à ce jeu avec le casque virtuel, je pense que alors là, ça doit être dégommé. Ça doit être d'un stressant, vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Eh ben, on revient un peu plus dans, pas dans la réalité, mais dans quelque chose de, ah, des fléchettes. Je n'ai plus l'emplacement pour mettre les objets. Eh ben voilà la tête de chien, les amis. Pour ouvrir la porte en bas. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ça progresse. Et la poudre à canon. Alors, soit je continue à visiter. Soit je... Pas mal de l'herbe. Soit je vais ouvrir en bas. Et moi, je pencherai plus... Pour ouvrir en bas, parce que là j'ai plus d'emplacement du tout. Et je vais même carrément faire mieux, ramener. Là je vais être coincé dans les emplacements, donc. On va déjà utiliser la tête de chien ici. Ah, y a encore un truc? Ah, il en faut plusieurs! Il en faut trois, les amis! Ah! Ça se trouve, c'est la sortie finale du jeu! Il faut trois têtes de chien! Vous savez quoi? Je vais aller ranger la cassette. Parce que j'ai plus d'emplacement. Je vais aller ranger la cassette et une fiole. Peut-être qu'en haut il y a un endroit où on pourra sauvegarder, mais là je vais mettre la cassette. Une fiole aussi. Plus les pièces. Je vais déplacer ça et puis on va y retourner. J'ai laissé quelques places justement qui vont me permettre. Donc le jeu est vraiment vraiment passionnant et super long, les amis. Là franchement c'est un Oula. Avec la manette, et là il me faut un objet. Et si je prenais le ouais, rien là, donc on va aller poursuivre la petite aventure dans les couloirs de cet étage là. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ouais, encore une porte, puis de l'autre côté aussi, je pouvais y aller aussi. Ah oui, il y a un autre escalier. Oh là là. À mon avis, ça c'est l'autre côté.
Est-ce qu'elle est ici? Ah, ça me dit quelque chose, ça mène dans le hall d'entrée. Fluide chimique, ah bah c'est pas mal. Ça, je vais pas le combiner avec. Voilà, et puis j'ai gagné une fiole supplémentaire. Donc là, on arrive sur le. Ouais, il reste plus que cette porte à ouvrir, hein, sinon je suis coincé. Comment je. Ah bah ça, c'est toujours bon à prendre. Sélectionner un objet à utiliser pour ouvrir ça. Il me faut une clé. Puis j'entends des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est quand même super flippant. Il reste plus que cette porte. Hein, sinon. Waouh, alors il y a forcément un objet ici. Qu'est-ce que c'est glauque là, c'est... Au fond de l'eau. Ah bah voilà, une statuette de bois. Ah, ok, moi je la prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'ai trouvé une statuette de bois déjà, c'est pas mal. Munition de pistolet. Je pense qu'à mon avis, il va falloir utiliser le pistolet tôt ou tard, hein, parce que... là-dedans. Une pièce antique, encore une, c'est bien. Autant les cumuler, il y a peut-être un bonus final ou quelque chose. Ou une... Après, il faut les transformer peut-être. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette... Non, ouh là là, il m'a fait sursauter. Oh purée, mais il est encore vivant, lui. Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Il m'énerve, lui, c'est pas croyable. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. Il va vite, en plus. En un mot commençant... Ah. T'es foutu. M'énerve, lui, franchement. Je sais pas où me planquer, sérieux. J'ai envie de prendre le pistolet, mais dans le stress. Allez, viens. Ouais, mais... Il va falloir faire mieux que ça, gamin. Ouais, et puis là... Mais c'est pas possible, ça. Mais en fait, ça lui fait rien. Il est où? Ah si, il est tombé. Non mais il est immortel. Par contre, je prendrais bien son objet pour le remplacer. Wow, c'est un truc de fou parce que son objet il doit être pas mal lourd. Donc avec, je pourrais peut-être remplacer pour récupérer le fusil surtout. Je peux pas prendre une. Il m'a stressé, lui, c'est un truc de fou, hein. C'est pas croyable. Bon. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a ça aussi ici. C'est des clés qu'il faut. C'est... Est-ce que la statuette en bois elle va pouvoir remplacer le fusil? Ça m'étonnerait. Hein.
Bon, ben j'ai pas d'autre solution pour avancer que de mettre la statuette à la place du fusil. J'ai pas d'autre idée. Je suis coincé de partout. Alors, on va mettre où la statuette en bois. Là. Ça ne tient pas. Magnifique. Qu'est-ce que j'aurais raté là-bas, peut-être? Là, je coince, là, les amis. On va mettre là, la statuette en bois. Peut-être que c'est encore un objet. Ok, eh ben, là, la statuette, je ne sais pas où elle s'utilise. Oh purée, non, il est Salut encore mon là, gars. lui. Non, mais c'est Comment pas ça possible. va? Il vit combien de fois? Oh là là là. Lui. C'est incroyable, franchement. Je peux pas lui prendre son arme. Ce truc, il est lourd. Je pourrais récupérer le fusil. Et la statue est en bois, je vais la mettre où? Bon sang. Après, j'ose même plus me déplacer parce qu'il va apparaître à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je fais quoi avec ça? Ok. Il y a forcément un truc. Ah, je sais. Peut-être faire comme l'autre, je sais pas. Comme ça, non. Mince. Marche pas. C'est dans un autre. J'ai sûrement le bon stratagème là, mais. Bien droite. Et là, comme ça. Marche pas. Y a un truc. Forcément un truc, comment la mettre dans un sens qui pourrait convenir là et là si je mets ça c'est quoi ça? Living room. C'est-à-dire quoi ça? Aïe 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 aïe, les amis, je sèche un peu là. La statue est en bois.
Ah, c'est peut-être pas la même chose là. Ça sent truc, mais là, tout à l'heure j'ai déjà galéré. Waouh. J'ai vraiment galéré tout à l'heure pour arriver à trouver la forme. Là, il y a deux trucs. C'est chaud patate. Non, là, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait plus comme ça, on va dire. Voilà, mais dans l'autre sens. Je suis pas loin, là, à mon avis. Je suis pas loin. Je suis sûr qu'il y a un truc là-dessus. Ah, tout à l'heure, j'ai presque réussi. Mince. Non, là, ça va pas. En fait, c'est le bas à droite là. Ah. Ah. Oui! Oh, j'ai réussi. Ah, c'est compliqué ce jeu, il est très compliqué, hein, vraiment. En plus, pour l'instant, je suis pas allé chercher des indices ailleurs sur Qu'est-ce qu'on fait Internet. cette baraque? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce... Ça fait vraiment, vraiment, vraiment flipper les amis. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là pour cette troisième vidéo et le suspense, ça serait qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir? Ce que je vais faire, je vais sauvegarder la partie, mais faut avoir le cœur accroché quand même, hein, et je vais aller sauvegarder la partie et je laisse le suspense pour la prochaine vidéo. Et comme ça, hop, je garde le suspense. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux couloir? Donc c'est vrai que là, cette vidéo, cette troisième vidéo du jeu m'a permis d'affronter encore à plusieurs reprises ce fameux personnage, le papa, le père de famille qui était normalement mort. Et bah, il revient à chaque fois à la vie, c'est assez incroyable. En ouvrant cette porte, j'ai pu découvrir que la maison était immense, que là-bas il nous faudra trois têtes. Pour ouvrir cette porte, j'en ai trouvé une sur les trois. Il y a tout plein de portes que je n'ai pas pu encore ouvrir. Mais ici, grâce à la scénette vidéo, où j'avais déjà dû utiliser un objet et le tourner, et ben j'ai dû tourner cet objet et j'ai réussi à ouvrir ce couloir, les amis. Donc le couloir suspense, ça sera pour la prochaine vidéo, les amis. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.